Our people will never, and I mean never, be left for dead again. Today, it is all Rwandans who have conquered fear. Nothing can be worse than what we have already experienced. Today, our hearts are filled with grief and gratitude in equal measure. We remember our dead and are also grateful for what Rwanda has become. Rwanda's tragedy is a warning. The process of division and extremism, which leads to genocide, can happen anywhere if left unchecked. Sur ce génocide, ce moment si important, cruel de votre histoire, oserais-je dire de notre histoire. Je crois avoir tout dit le 27 mai 2021 quand j'étais parmi vous. Je n'ai aucun mot à ajouter, aucun mot à retrancher de ce que je vous ai dit ce jour-là. La France assume tout et exactement cela dans les termes que j'ai employé, et je remercie encore le président Kagame pour la manière qu'il a eu de les accueillir et ce faisant d'ouvrir une nouvelle page ensemble de notre relation.